Eh bien salut les amis, c'est Overgame, j'espère que vous allez bien. On va passer à super comme d'habitude aujourd'hui les gars. On se retrouve pour la troisième étape de cette Vuelta Ciclista España 2019. Sur le jeu donc du coup Tour de France 2019, on est donc à l'étape numéro 3, l'étape de Alicante. Pour rappel, on a fait... en plus c'est... On a fait... Deux premières places, voilà, on a fait deux deuxièmes places sur les deux premières étapes. Là, ça va être un petit peu plus dur d'aller accrocher un petit quelque chose, mais bon, après, bon, sait-on jamais. Bon, après, il y a du vent, donc attention, ça peut causer un coup de bordure. Attention, parce qu'il y a des côtes, voilà, attention quand même à tout ça. C'est plus, donc du coup, qui est maillot blanc à poids bleu. On a Tony Martin qui est là. On a Robert Gesink, Nelson Poyles, oui, bon. On sait que Cocheteau est loin, George Bennett aussi un peu loin, Tony Martin pareil. De toute façon, ça va se jouer avec Cruyff et Roglic. On va voir qui sera le leader de l'équipe. Bon, on va voir les premières informations. Pour l'instant, on va rester tranquille. Bonjour à tous, On va voici peut-être envoyer peut-être Tony Martin réchapper. En effet, les trois côtes situées à l'amorce des 70 derniers kilomètres devraient compliquer le travail des équipes de sprinteurs. Mais une on est fois meilleure ces équipe, difficultés hein. franchies, Avec il les ne casques restera alors rouges. plus que 30 kilomètres à parcourir. On va se mettre vers la zone devant. Hein. On va se mettre vers la zone devant. De toute façon, on n'a pas grand-chose à jouer pour le classement par points. Hein, hormis miracle avec Roglic qu'on n'a rien à faire. Toujours pas d'échappée. Bah, toujours pas une échappée. Hein. Très curieux. J'ai l'impression que ça va peut-être attendre. Suis bien là avec. 1 minute 30 en faveur de l'échappée, c'est peut-être la bonne. On va demander à Nelson Poyles d'aller protéger Roglic. Façon, c'est pas à nous de gérer l'écart. Hein. C'est pas à nous de gérer l'écart. Bon, déjà, on a un premier sprint intermédiaire, on peut aller jouer, hein. Jouer, bon, ils sont que trois à l'avant, donc mais bon, ça va être important si on va prendre des points pour la. On remarquera que l'écart entre le peloton et les on va se mettre juste à 10 minutes. sprint. Déjà, ça fait barrage. Ah, Sam Bennett qui est pas très bien placé. Par contre, on a la roue de Fabio Jakobsen. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. On va se frayer un passage limite entre Gaviria et Degenkolb. Et voilà, et nous on va aller lancer le sprint, on va aller peut-être prendre des points. On bloque un petit peu Clément Venturini. Ouais, on va aller prendre, ouais, on va aller prendre quelques petits points. Faut les jouer des fois ces points, faut les jouer des fois ces points. Le sprint c'était le sprint de la Palice d'ailleurs. Personne va collaborer. Ouais, voilà. Demander à Kuss, enfin je vais déjà demander à Tony Martin d'aller protéger Roglic et à voilà pas tout le monde et à Poirier de protéger Kruijswijk. Voilà, tac, allez c'est parti du coup. Alors attention quand même au vent, attention au vent. De toute façon après la section elle est assez longue, donc on pourra peut-être rouler, hein. On va pouvoir peut-être rouler derrière. On va pas avantager le retour de certains. On s'est détaillé. L'échappée perd du terrain. Paraît quand même très piégeuse. L'étape va être piégeuse en elle-même. L'étape va être piégeuse en elle-même. On va rentrer dans une partie à découvert. Et attention là au vent. Ah, les étapes. Allez, attention là au vent. Localité ici. On va se mettre vraiment au pied de la zone. Allez, elle commence là, la zone devant. Ouais, elle commence là. Il y a du vent, attention. Ouais, ça c'est important. Ça c'est important. Il y a du vent. Il y a du vent. Il y a du vent. Donc, du coup, tous les polyvalents. Alors, cette Kuss Gesink aussi qui a une belle note de plat. Paulus. Hochsteide. Et par contre, on va demander à Kruijswijk de protéger Roglic. Hein. De toute façon, il faut que les leaders soient là. Il n'est plus le maillot jaune virtuel. Allez, c'est parti, la police. Ok, je viens de protéger. Ouais, nous,
tente un coup. Non, attention, il y a un coup de bordure qui se prépare, Crochet qui est très bien, voilà, voilà qui va venir là. Attention, là, le coup de bordure qui se met en place. Un bon coup de bordure. En plus, la zone, elle est un peu longue. Ça, avec le vent de côté, c'est bon signe. C'est bon signe, voilà, Crush Vive, voilà. Et attention, et il y a des bordures qui se créent. Il y a des bordures qui se créent, mon Fulsang. Eh, hey, attention. Attention, eh, hey, il y a des Astana qui sont pas très bien positionnés. Donc attention à ça. Attention à ça, ça peut être... Ça peut être un tournant, ça peut être un tournant, il y a une bordure qui est en train de se créer. Allez, la bordure gars, là, qu'elle a faite. Oh, c'est eux qui va rouler à l'échappée fond. L'échappée accélère le rythme en tête de course. Elle compte pas se laisser rattraper comme ça. Allez les gars. Ah, là, le vent, il est un peu de face. Oh là, il y a eu un bug. Pas mieux après de tourner parce que là, le vent il est vraiment de face. Là, ça bordure à rien du tout en fait. Là. Ouais, faut m'écarter tout ça là. Oula, attention, oh, attention, là on a pris un coup là. Attention, là on a pris un coup. Eh ouais, parce que là, Crochet, il a pas peur qu'il remonte là. Ouais, qu'il okay. remonte là. Je vais voler à bloc. Attention, parce que là, eh, attention, là c'est en train de craquer là. On espérait pas ça. Eh, attention là, eh, voilà, Crochet qui va recombler cette bordure. Bennett qui doit faire des efforts. Il doit faire des efforts. D'accord. On se ravitaille. Allez, on va partir. Nous, on peut partir. On peut limite partir. Eh, hey, attention. Eh, hey, regardez, regardez. Il y a une bordure là qui est en train de se créer. Attention, il y a une bordure qui est en train de se créer. Attention, il y a une bordure. Il y a une belle bordure qui est en train de se créer. Hein. D'accord, on se ravitaille. Il y a déjà des premières cassures. Et ouais, on est en train un peu de piéger la course. C'est qui me nourrit? Toi, c'est Guessing. Bravo les gars! Bravo les gars! Allez, là c'est parti. Et là, attention, parce que là il y a des côtes. Hein. Là il y a des côtes, donc de toute façon, les côtes elles vont conditionner pas grand chose. L'échappée perd du terrain. La fin de la zone devant. Elle a lieu. Les coureurs abordent maintenant une partie assez vallonnée. Cela va durer une cinquantaine. Alors peut-être pas. Oula, attention à ce que là. Crush Vague. Alors là il y a des. Là il y a des gars qui vont rester. Hein. Il y a quand même des gars qui vont rester. Cus il va rester. Ouais, ça va rester. George Bennett pareil. C'est encore ça peut rouler. Même Tony Martin il peut rouler. Hein. Tony Martin il peut rouler. Attention là, faut prendre le gel. Là, faut prendre le gel. L'écart augmente. On n'a pas besoin de rouler pour le moment. Il y a personne de dangereux pour nous dans l'échappée. L'écart reste stable entre le peloton et l'échappée. Ça roule, là ça roule, là ça roule vraiment très fort. La côte de Tizi, Tony Ortiz. Les hommes de tête ont encore de la ressource. Ils accélèrent le rythme pour tenter d'aller au bout. Paul, est-ce qu'il va rouler?
Le col du pilon est actuellement escaladé par la tête de course. Après, ça descend quasiment tout le temps jusqu'à l'arrivée. 30 secondes d'avance pour la tête de course. On dirait que l'échappée en a... Allez, c'est parti, là. L'écart diminue, les gars. Le peloton devrait jouer la gagne. Peloton groupé. Ouais, le peloton est à 20 bornes. Le peloton est à 20 bornes, c'est incroyable. Moi, je m'en fous, quand même, la course de mouvement qu'on a. Un peloton à 20 km de l'arrivée. Il va se disputer la victoire. On continue comme ça, les gars. On continue. Allez, on... Et pourtant, avec les cassures, on a cru que quand même il y a eu... Et avoir déjà des premiers écarts là, en fait non, pas du tout. Et on va se caler. De toute façon, les étapes au sprint, bon, on va pas faire grand chose, mais bon. Continuez comme ça. On a quand même un maillot vert à aller chercher. Il y a peut-être aussi des bonifications aussi à aller chercher. Allez, on va avancer un tout petit peu. On va se mettre à aller à 10 bornes. On a essayé par tous les moyens de casser le peloton. Rien n'y fait. Simon Crocheveille qui est là. Protégeur oblique. Ok. Je viens de protéger. 9 km, de toute façon on a condamné à échapper. On a vraiment condamné à échapper là cette. Alors on a tenté un coup et puis ça a pas marché. Ça arrive, hein, qu'il y ait des coups qui ne marchent pas. Là, c'est Gianluca Brambilla qui est en train d'emmener le sprint. La descente est maintenant terminée. Les coureurs vont aborder un long faux plat montant qui les mènera jusqu'à la ligne d'arrivée. Allez, courage les gars, allez plus vite. Allez les gars, continue comme ça. J'ai mon micro qui grésille, j'adore. Je vois qu'il est en train de... Ah oui, c'est vrai qu'il y a en plus, il y a une côte. Ah, attention, parce que ça, si elle est plus à fond... Eh bien, il y a le Conti qui accélère. Je sais pas si c'est pour emmener le sprint, mais il y a le Conti qui accélère. Courage, petite attaque et Quintana aussi qui s'est replacé. On se dirige vers un sprint massif. Quintana qui s'est replacé avec un Gianluca Brambilla qui est là. Attention, ouais, la côte, ouais, on l'avait un peu négligé cette côte. Il y a un groupe avec Paulus et Ben King aussi. Attention des fois à ces virages. Bon, Bilan qui en peut plus, hein. Bon, Bilan, il en peut plus. C'est le champion d'Italie en personne, Davide Formolo, qui emmène dans ce final d'étape avec Fabro et Castillo qui a été lâché. Paulus, c'est pas dérangeant, hein. Bon, c'est 23ème. Allez, Mejgek aussi qui est là, hein. Lui qui a fait un gros tour de Pologne, Lucas Mejgek. Gerd Mühlberger, je pense que ça va être pour Sam Bennett. On doit avoir Phil Boss aussi dans les parages. Il doit y avoir aussi Degenkolb. J'ai pas vu Degenkolb, hein, par contre. Hein. Allez, c'est parti. Dernier kilomètre. Oh, Gaviria qui est là aussi. Allez, j'avais complètement oublié. Sam Bennett qui remonte complètement à gauche. Sam Bennett qui s'impose trop facile. Trop facile l'Irlandais. Incroyable. Et belle victoire de Sam Bennett. Oh, cette victoire, oui, là, on avait dit, hein, c'était le super favori. Et cette petite côte qui a piégé un petit peu tout le monde. Allez, on va voir ce sprint au ralenti. On va se mettre avec Sam Bennett parce que Sam Bennett il est loin. Hein. Il est loin. Hein. Allez, quand il déborde. Regardez, on va voir un peu le sprint au ralenti parce que Sam Bennett il est loin. Il, on va dire, vers les 30e position, bien sûr. Regardez, il est là. Là, il va sprinter tranquillement. Et Bennett, il est là. Hein. Ouais, il est loin.
il est loin Sam Bennett. Et là regardez là la remontée facile de Sam Bennett devant Phil Bowes, Mesh Geck, ça se joue à la photo finish. Hein. Ça se joue à la photo finish, ouais non, Mesh Geck devant Gaviria, Phil Bowes, Degenkolb. Et le micro de merde qui me fait chier. Il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Voici le vainqueur de l'étape, Sam Bursa sur Fuel, la Tour de Salvani. Et Bennett qui s'impose. Dire que tout se passe bien pour lui, en rouge. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot. Il joue les tout premiers rôles cette année. Et Miguel Angel Lopez en blanc. Oh là, bravo les gars, vous avez fait une bonne étape. Et OGT2 d'ailleurs qui est hors délai. C'est pas une grosse perte. Hein. C'est pas une grosse perte, hein. OGT2 qui est hors délai. C'est pas la grosse perte. On conserve le maillot à poids. C'est très bien, les gars. Ouais, comme ça, Tom Tony Martin. OGT2 et Tiller qui est hors délai. Donc on a hors délai aussi chez Jumbo Visma. Ouais, bah ouais. Bon, c'est pas mal. Hein. Donc du coup, feu le sang. Oui, y a pas de changement général. Ah si, Valverde, mais qui voilà, c'est au jeu des places. Ce micro qui grésille là, putain, sans déconner là. Oh, micro de merde là, fils de pute. Oh, sans déconner. Putain, ça me vexe ça. Micro là qui marche pas là. T'as payé une blinde. Et Tony Martin qui perd des places. Hein. Oui, bon, ça c'est normal, mais il perd 133 places. Enfin, pff, oh le micro. Franchement, les gars, franchement, vous avez fait une bonne étape. Câble, là. Finir dans le top 10 alors que l'étape ne nous convenait pas. Oh le micro là, le maillot à poids. C'est très bien, les gars. Quoi le micro là, sans déconner. Là c'est bon, là ça marche, mais putain. Ferme sa gueule le micro là. Oh, casse les couilles. Bon, alors De Gande qui est maillot blanc à poids bleu devant Martins qui est de aparté. Ouais, de aparté quand même qui est bien placé. Gaviria qui est. Ouais. En tête du classement par points. Gaviria au classement. Ah oui, donc ça c'est le classement d'étape. Donc du coup c'est plus. Eh, Marchinski par contre qui est bien remonté. Hein. Attention à ça. Alors le classement par points, du coup c'est Gaviria. Devant Bennett et Bowes. Et Jérôme Cousin qui est là, quatrième. Lopez toujours devant Pogacar. Voilà une grosse chute, un hein, Poilus. Mais il va profiter peut-être de se reposer. Ça on aura quand même. Pas mal de choses à faire. Voilà les amis, du coup pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve du coup pour la quatrième étape alors je sais pas dans les villes c'est, je crois que c'est une étape un petit peu plus plate, d'ailleurs qui correspond à l'étape de Vittel. On regardera ça donc du coup demain. Très bonne soirée, salut, tranquille, on vous regarde la vidéo. Et sur ce, portez-vous bien et à demain les amis. Salut !